avec un éléphant qui a élevé vivant. Et là, c'est tout au début, quand un éléphanteau est vu dans la nature, sans la mère, sans le troupeau, on essaye de le séparer. À partir des 4 ans. Mais le rythme est le même, ils ont le biberon la première fois le matin à 6 heures, le soir à 5-6 heures. À la brousse dans l'après-midi, même toute la journée, ils ont le biberon à 6 heures du matin, le dernier, et après ils vont à la brousse avec les soigneurs. Et à la brousse, ils rencontrent aussi d'autres animaux. Ils comprennent qu'ils ne sont pas. Là, avec la couverture leur procure une sorte de sécurité. Parce qu'ils sont très des armes, des pièges, des javelots qui blessent les animaux. Et donc, ces animaux-là, on les soigne également. Les enfants sont toujours traumatisés. Parce qu'ils ont vécu, ils ont vu comme la mère était massacrée, ils étaient abandonnés. Donc il faut un soigneur qui dort avec eux et qui est là 24 heures sur 24 pour les enfants qui ont 4 ans. Il ne va plus les sévrer dans la nature, quand il est avec sa mère. Mais eux qui ont été sauvés, ils n'ont pas toutes les données que présente le lait maternel. Donc ils ont besoin d'avoir une nourriture plus riche. Mais il y a quand même de plus en plus, ils trouvent des moyens pour les écarter des villages. Par exemple, l'éléphant a peur des. Ça n'a pas commencé par ça. Ils savent, quand vous avez vu ça pour une fois, je pense que très peu de gens peuvent passer à ce moment-là. C'est un terrain qui est propice pour que ça repousse. Et ça fait manger d'autres animaux. Comme ce n'est pas différé 100%, il y a d'autres animaux qui vivent de ça. Donc c'est vraiment un équilibre dans la nature qui fonctionnait pendant je vous l'envoie directement, je t'envoie le courrier que j'avais envoyé à l'éducation. Comme ça, je vous laisse le relire, c'est gentil. Thank you.